voilà, on est excités. Une autre tarde, je pense que le contexte a fait que la préparation a été courte. Ça, on le savait. On le sait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, que la préparation post-Coupe du Monde allait être compliquée, vu le nombre de joueurs élevés qui a participé à la Coupe du Monde. Mais voilà, dans ce contexte-là, je pense qu'on a eu des entraînements de qualité. On a eu deux matchs amicaux intéressants qui un petit peu nous ont remis les pendules à l'heure, savoir où on était exactement. Et voilà, maintenant on se trouve à trois jours du premier match de la compétition. Ça reste une compétition longue et éprouvante, donc il faut garder la tête froide et surtout ne se projeter que de dimanche en dimanche. C'est uniquement, à mon sens, de cette façon-là qu'on réussira à atteindre nos objectifs. Yeah, I can't wait to play. We've been training really good the last couple of weeks, so everyone's excited to get out there on Friday night. L'UFC, ça reste en travers de la gorge, le match des playoffs où ils nous ont éliminés, le match de la coupe ici où ils nous ont éliminés, donc ça reste en travers de la gorge et c'est toujours, à mon sens également, je pense que c'est bien de commencer dans le vif du sujet. Dans tous les cas, c'est un déplacement les plus compliqués outre-Manche, et voilà, par la longueur du voyage et par le fait qu'ils soient un petit peu excentrés. Voilà, ça reste une forteresse à prendre. Beaucoup de clubs de Super League s'y cassent les dents. Nous, on s'est cassé les dents dans le passé, mais on est très très motivés et on a très envie. Yeah, definitely. We've had some tough battles with them, especially last year. Yeah, definitely. It's always good to start, I think, with the tougher teams, and then you know, you can see where you're at and go from there. Yeah, Michael's he's pretty fast and he looks really athletic, so hopefully he can score a few tries this year. Yeah, he's a really nice guy, and Ben Pomeroy is big and strong, and I think everyone's looking forward to seeing them play this year.